à mes côtés pour ce match. Au programme, une rencontre de championnat. Découvrez maintenant la composition d'équipe et l'entraîneur qui a choisi de consolider sa défense en organisant son équipe en 5-4-1. On découvre ensemble la composition de l'équipe. Schéma classique pour cette équipe avec un 4-4-2. Le coup d'envoi à donner à l'instant. Et ça n'ira pas plus loin. Le centre, manque d'application sur ce centre et la défense peut éloigner le danger. En 1-2. Le ballon qui va changer de possession. Attention à cette perte de balle au milieu. Prennent possession du ballon. Et la voilà, la frappe. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Allez, on va voir ce que ça va donner ce corner. C'est capté sans problème par le gardien.
C'est parti. Il y avait peut-être mieux à faire là. Ouais, facile à dire après coup, mais en fait. L'arbitre qui siffle, il a vu la main. À toi, à moi, ça circule bien. Le ballon qui va arriver dans la surface. Et l'autre chose, il la frappe. Non, ça passe largement à côté. Le bon travail de la défense qui ne lui a pas laissé beaucoup de champ pour s'exprimer. Et lui redonne. Un ballon perdu. Ouais, bonne circulation du ballon. Peut-être une occasion. Il préfère centrer. Ouais, mal centré. Dommage. Un bon ballon d'attaque perdu. Ouais, bonne lecture du jeu, bonne interception. Hors jeu, il est parti trop tôt. Ou le ballon a été donné trop tard. Là, ils font bien circuler le ballon. Ouais, la bonne occasion. Ouais, le tir. La défense qui va être sous pression avec ce corner qui est concédé. Oh, le ballon qui est contré par la défense. C'est une perte de balle. Il va donner ce centre. Oh, penalty, c'est net, ouais.
pénalty qui est transformé. Il trompe au gardien, on le revoit. Une belle proc de sang-froid face au gardien. Et ce but, cette fois-ci avec une autre caméra. Et c'est donc l'ouverture du score 1-0. Ballon pas trop compliqué à reprendre finalement. Ah, ça joue très collectif, c'est très beau. La frappe. Eh ouais, mais ça ne marche pas à tous les coups. Et il ne se prive pas pour exploiter ce cadeau. Une, deux. Touche à suivre. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. On va essayer de lui prendre le ballon. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter de percer. Ce ballon qui file en touche. Ballon d'attaque. Ah oui, le centre. Ah, c'est sûrement le tournant du match. Hein. On revoit ce but. Un pénalty transformé tout en sang-froid avec une balle piquée qui passe juste sous la barre, plein axe. À 3 minutes en plus, 3 minutes de temps additionnel. Et le ballon qui change de camp, magnifique. Mi-temps, c'est la mi-temps ici. Léger avantage donc au moment de regagner les vestiaires, 1-0. Bon, une bonne prestation de ce joueur dans cette première période. Eh bien, c'est grâce à lui, si son équipe est devant à la pause, ça reste quand même le fait marquant de cette première période.
Et la voilà, la frappe. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Allez, on va voir ce que ça va donner ce corner. Ouais, la bonne occasion. Ouais, le tir. Je pense qu'il va être sous pression avec ce corner qui est concédé. Pénalty qui est transformé. Ah, il trompe le gardien, on le revoit. Ah, belle preuve de sang-froid face au gardien. C'est reparti donc pour la deuxième mi-temps de ce match. Ce sera une touche. Oh, il se trouve bien. Il décide de prendre sa chance et le bon placement du gardien. Le joueur a terminé son échauffement, il est prêt à faire son entrée. Ce sera au prochain arrêt de jeu. Ah, il y avait mieux à faire sur ce centre. C'est vraiment du petit lait là pour les défenseurs. Ouais, la passe est mal ajustée et il récupère un ballon facile. Ballon rendu à l'adversaire. Et ce ballon qui sort touche. Et l'entraîneur qui va procéder à un changement. Voilà, coup de bluff, le coaching parfait. En tout cas, il a décidé de se donner les moyens d'égaliser.
Le bon centre. Il récupère le ballon sur ce bon tacle. Remise en touche. Très bonne lecture du jeu là sur cette interception. L'entraîneur a demandé à faire un changement. Il va prendre la tête. Oh, cette tête qui ne sera pas cadrée. Il a manqué quelques centimètres, en effet. L'entraîneur qui sent son équipe en difficulté. Ce changement tactique est peut-être ce qui manquait à ses joueurs. Pas trop compliqué à reprendre finalement. Attention à la réception de ce centre. Jouer ce centre, il n'y a personne. Ah ouais, le gardien qui va pouvoir donc dégager. Toujours aussi précis dans ses passes. Ah, il bascule sur l'aile histoire d'étirer ce bloc défensif très compact. Ah, il contrôle ce ballon. Ah non, il rompt le ballon à l'adversaire là. Mal assuré la passe, hein. Ça file en touche. Touche. Oui, belle talonnade. Peut-être une occasion. Ouais, je le tire. Ce serait une sortie de but.
Il perd de ce ballon. Dans ce match, la décision qui n'est toujours pas faite. Oh, c'est parti! Ah, il le rate, quel dommage! Oh ouais, il peut s'en vouloir parce que la passe était lumineuse. On sent que l'équipe va essayer de porter le ballon beaucoup plus rapidement dans la surface adverse. C'est ce qu'a demandé l'entraîneur, un jeu plus direct. Et j'ai cru entendre l'entraîneur dire attaque de folie. Ça sent le coup de poker. Oh, le tir! Eh oui, c'est l'égalisation! Égalisation! Il restait peu de temps pour le faire, ils l'ont fait! Cette égalisation qui vient peut-être au bon moment. Oui, en fin de match, là, comme ça. Ah, ça fait mal à l'adversaire, là. Belle preuve de combativité. On revoit ce but sous un autre angle. Et ils égalisent donc, un but partout. Il essaye de s'appliquer là sur son centre. Allez, on dégage loin devant. Le joueur, 2 minutes de temps additionnel. Il récupère son ballon dans notre jeu. Et le ballon qui change de camp, magnifique. Et l'arbitre signale la fin du temps réglementaire qui intervient sur ce score de parité.
du gardien sur cette action. Allez, on va voir ce que ça va donner ce corner. Ouais, la bonne occasion. Ouais, le tir. La défense qui va être sous pression avec ce corner qui est concédé.